Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Tomb Raider, Shadow of the Tomb Raider. Dans l'épisode précédent, on a combattu deux jaguars avec S, parce qu'on en a combattu deux, on en a tué un. Et là, bah, on va continuer hein, cette aventure, et là, Shadowplay m'a laissé tomber, je ne sais pas comment ça se fait. Donc du coup, je suis reparti sur Fraps, en sachant que ça fait laguer. Et j'ai pu voir... Oh ! Un avion ! Est-ce que Jonah est là ? Et Miguel, on s'en fout de Miguel ? Qu'est-ce que je vous disais ? Oui, en fait, des petits lags qu'il y a eu, je pensais que c'était dû à mon ordi, je suis allé voir un petit peu sur internet, et apparemment, le jeu n'est pas super super optimisé non plus. Donc, il y a pas mal de gens qui ont eu ce genre de petits lags, malgré des PC de malade. Moi, j'ai pas un PC de ouf non plus, mais eux, avec leur PC de fifou, ça laguait quand même. Il y avait des moments où ça bloquait. Donc là, j'ai essayé de trouver une façon de faire en attendant un patch correctif pour faire que je puisse jouer tranquillement sans lag. C'est un truc manuel, il faut juste définir en priorité haute le jeu. Bon, j'ai aussi baissé quelques petits trucs là, comme vous voyez. Dans le... Oh, pardon, mais la rage t'est coupée. Bon, peut-être que vous vous en foutez en fait, mais voilà. J'ai un peu baissé les trucs. J'ai peut-être mis de mettre le flou cinétique qui est peut-être un peu joli. Voilà, ce sera peut-être un peu plus agréable pour vous lorsque je tourne la caméra. Mais je vais garder ça, voilà. Là, je tourne à 47 images par seconde. Hein. C'est pas énorme, c'est pas fifou non plus. C'est pas de la 60 images par seconde comme j'aurais voulu, mais bon. C'est la vie, c'est comme ça. Ah, en fait, si j'accélérais, je pouvais courir. Je sais pas si vous voyez les trucs de Steam Community, mais... Apparemment, il y a quelqu'un qui... Enfin, il y a un truc, un pop-up de Steam Community qui est apparu. Bon, j'espère quand même qu'il y aura un patch. Parce que le jeu n'est pas... pas vraiment optimisé, malheureusement. Ah, Jonah ! Coucou, Jonah ! J'ai cru que t'étais mort. Hey, tu sais où est passé Miguel ? Je pense que lui, il est mort. Il a pas survécu. Ah oui, c'est le jaguar qui l'a... Ah mais oui, c'était Miguel qu'on avait vu tué par un jaguar. Je suis con, en plus. Qu'est-ce qu'il a, toi ? Ah, je crois que c'est un parasite. J'ai bien cherché de l'armoise, mais ça pousse pas dans le coin. Je vais regarder. Oh ouais, qu'est-ce que tu vas faire ? Bah, je vais te découper le bras. Comme ça, ça va empirer. Et c'est toi. Fais-moi confiance, je vais te couper juste le bras. Une petite amputation. Ça t'a du bien. De savoir ce que tu fais là ? Non, pas du tout. Je suis pas chirurgienne. Hein. En fait, j'ai eu un peu la même chose il y a longtemps quand j'étais gamine en Égypte. Ah bon ? Je vais pas te mentir, ça va faire mal. Ça va piquer un petit peu, Jonah. Tu crois que cette tempête, c'était la tempête ? Celle de la fresque ? Non, je pense qu'il y aura une plus grosse tempête. Je sais pas. Je crois qu'on devrait s'arrêter, faire le point. On a foncé tête baissée. Totalement. Et puis avec la tempête... J'aurais jamais cru que ça empirerait autant, je... Ouais, j'aurais dû insister pour qu'on cule. Mais je comprends. Tu bloques sur un problème et tout le reste disparaît. Comme d'hab. C'est un reproche, ça. Je suis là. Et c'est mon choix. Le plus souvent. Mais si on meurt, qui arrêtera les cataclysmes ? Ben personne. Qui empêchera les trinitaires d'agir ? Ben personne. Parfois, je sens que je suis obligée de continuer parce que sinon, les gens croiront que je les abandonne. Quel genre ? T'as pas d'amis, à part Jonah. Peut-être que pour quelques heures. On aurait pu attendre. C'est dégueulasse. Elle avait vraiment un parasite, hein. Ok. Ellie. Ellie. Ah, c'est mon cousin. Il avait une sale tête d'asticot. Il avait ? Pourquoi ? Il est décédé ? Et tu parles de lui comme ça ? Ah ! Elle a écrasé. Mais c'est une vraie meurtrière, cette Lara. Elle a tué un singe dans l'épisode précédent, un jaguar dans l'épisode précédent. Là, elle vient de tuer un ver. Merci. On devrait y aller. Si on arrive à trouver Kuwakaku, on pourra se reposer cette nuit. Kuwakaku. D'accord, c'est un bonne idée. Allez, on va chercher Kuwakaku. Est-ce qu'il n'y a pas des trucs à récupérer ici ?
dans cet avion des morceaux, je sais pas, d'un je crois qu'on peut voir le village un pistolet. Bon, t'as récupéré ton piolet, c'est bien. Ah, feu de camp. Alors. Je suis contente que tu sois resté près de l'épave. Si t'étais là, je voulais que tu puisses me trouver. J'avais le pistolet de détresse, alors. Oui, je crois que Miguel se dirigeait par là quand. Le pauvre. Ouais, quand il s'est fait buter par un jaguar. Tu t'es débrouillé pour avoir Ellie sous la peau. Ah, j'essayais de savoir si l'eau était propre. Maintenant, je sais. Alors. Tu crois vraiment à ces trucs? Ce que t'as raconté sur les cataclysmes, l'apocalypse? Je crois que si c'est vrai, c'est assez important pour se sacrifier ou pousser les trinitaires. Bon, vous savez quoi? Donc, c'est une question de vengeance. On va continuer non. Pour l'instant, on va pas non. Augmenter les compétences. Quand j'ai pris la clé, j'ai aussi senti une force qui m'attirait vers quelque chose. C'est bien réel. Si t'as senti une force qui t'attirait quand t'as pris la clé. Ah, je croyais que c'était une boîte. Non. Elle lui dit du con. Elle est partie quand Dominguez a pris la clé. Si c'est aussi fort que ça. Faut aller où là? Écoute, il s'est barré sans moi. De quoi, ah, petit morceau de bois. Ah, il est là-bas. En fait, je suis allé dans la mauvaise direction. Si c'était une question de vengeance, je comprendrais. Tu crois vraiment? Tu préférais pas être dans un endroit chaud et sec avec une bière et. À boire avec modération, bien sûr. Déboiser, la courtiser. Oh, des crânes. Ouais, c'est pas faux. C'est même carrément vrai. C'est bien quand on se rapproche, en fait, la caméra se rapproche aussi. C'est pas une vengeance. Ah, il faut être à deux. Tu m'aides ? Est-ce que je vais être possible en coopératif ? Ça aurait été bien. Un Tomb Raider en coopératif. Enfin, il y a bien le Lara Croft, Guardian of Light et l'autre là, je sais pas quoi. C'est en coopératif, mais après, c'est un autre Tomb Raider, hein. C'est un autre délire, hein. C'est un autre Lara, c'est la Lara d'avant. Ah, mais il y a un village là-bas, dis donc. Ça doit être Kouakiaku. Essayons de descendre pour savoir ce qui se passe. Ah, c'est Kouakiaku. Comment on descend là? En sautant? je ne vais pas risquer. Ah, bah là-bas. Il y a un chemin, je suis con aussi. Faut que j'arrête de dire que je suis con parce que sinon vous allez commencer à le dire aussi. Et c'est pas bien. Quand c'est moi qui le dis, c'est bien. Oui, et quand c'est vous. C'est tout sauf un bon chemin. Je suis d'accord avec Jonah. Oh. Oh. Mais apparemment, on n'a pas le choix. Wow! On y est presque. J'ai déjà entendu ça. Ouais? Oh. Dans Rise of Tomb Raider. Non, je te tiens. Ça va aller. Tu l'as tenu un peu tard là, Jonah. Quelque part. Ok. Ok. Bon, ils ont essayé de faire un truc en temps réel, donc c'est pas mal. Mais ça a foiré. Tout va bien? Ça va, je gère. Ok, il gère. S'il gère, c'est bon. C'est un aventurier aussi, hein. T'as pas regardé derrière chaque fois, parce qu'au bout d'un moment, ça va être chiant. Alors, qu'est-ce qu'il y a en haut qui pendouille là, de ces trucs? Maya, ça. Toi, qui a bâti tout ça? Les Mayas. Les Incas. Ah, les Incas, pardon. Maîtriser les lois de l'hydraulique. L'hydraulique, d'accord. Ok, genre les vérins hydrauliques, des trucs comme ça. Tu es là parce qu'on est sur la route du village. Moi aussi. Il y a des petits champignons là. Le pont est abaissé. On pourrait peut-être le remonter avec ses contrepoids. Peut-être. Qu'est-ce que tu veux dire? Laisse-moi réfléchir, c'est moi qui réfléchis là. Hey, c'est moi le héros, enfin l'héroïne. J'imagine que cette eau-là est potable. Bon alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Oh! Est-ce que vous pensez... Que on peut buter ces oiseaux, mais non. Mais faut pas. Il est trop beau. Je vais pas tuer cet oiseau. Voilà, il s'est barré. C'est bien, perroquet. Tu sais quand il faut... Faut t'en aller. Alors, si je pousse... C'est trop lourd. Donne-moi un coup de main. Ah ouais. J'aime bien comment elle demande ça. Genre, c'est même pas... Est-ce que tu peux m'aider, s'il te plaît? Non, c'est... Trop lourd. Tu veux un coup de main? Rien. Ok. On va relâcher. Doucement. Bah, pourquoi tu continues à avancer, Jonah? Ok, je te laisse tout seul, en fait. J'ai pas compris le truc de... On va relâcher doucement, en fait. Bon. Monter par là. On peut pas, je vais mourir. Je fais quoi maintenant? Je tire dessus. Ok, bon. Ça ne marche pas. Bah, Jonah, t'as une idée? Parce que tout à l'heure, t'ouvrais ta gueule, là. Et si je saute sur la corde, est-ce que je peux sauter sur cette corde? Non. Je ne peux rien faire ici. Bon. Faut activer ça. Voilà, faut faire descendre de l'eau. Donc on va monter ici et essayer de faire que l'eau passe.
comment on va faire ça? En tournant ça, bah oui. Là, je peux tourner toute seule, je pense. Enfin, tout seul. Bon, je me mets dans la peau de Lara, hein. Ouais, ça a fait quelque chose. L'eau a l'air de faire fonctionner le pont. Bah, Jonah, tu es bête ou quoi? C'était fait exprès. C'est ce que je voulais faire. Si j'avais... Ah, j'ai un peu coupé. Désolé. Il aurait dit quoi? Il aurait mis des caleçons maletonnés? J'espère qu'il n'y a pas des caleçons en nylon, parce que... Mon Dieu. Il souffrirait, le pauvre. L'eau vient remplir le seau. Parfait. Ouais. Voyons à quoi servent ces contrepoids. C'est maintenant que tu vois à quoi ça sert? Oh, le seau fuit. Ah merde, d'accord, on peut utiliser ça en fait. Non mais si ça fuit, Jonah. Si ça fuit, ah, faut un timing du coup. Ah bah non, c'est ici, je suis con. C'est ici qu'il faut aller. Ah, bah un petit trésor. La statuette de lama. Une statuette de lama. Ça c'est une statuette de lama, foutez de ma gueule. Comme du cacao ou du suif. Le canopa rempli était jeté dans un champ au début de la saison des récoltes en honneur de Pachamama, la déesse mère. On pensait que si elle acceptait l'offrande, le paysan aurait de meilleures récoltes et une meilleure saison de reproduction. D'accord. Bon, on va dire que c'est un lama. On faut pas contrarier les gens. Hein. Ne contrariez personne dans la vie, ça sert à rien. J'aime bien déchiffrer les monolithes Keshia. Attendez. Désolé. Lâche, c'est bon. Dépêche-toi, je vais pas te tenir longtemps. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Ah, attendez. Attendez. Peut-être que... Bah, toi aussi, t'es pas fort, hein. Faut vraiment que je vienne t'aider pour pousser ça. Mais tu peux tenir ça tout seul. Ok, ça n'a servi à rien. Peut-être que si je saute, je vais mourir. C'est ça. Faut tenter dans la vie, les amis. Faut tenter. C'était peut-être une solution. Bon. Allez, viens, j'en ai. Pousse. Pousse, après, on va réfléchir. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je dois faire? Je reste bloqué à la première énigme, quoi. Allez, ça va durer longtemps. Ah! Peut-être que je m'accroche. On va tenter de s'accrocher. Le saut fuit. Hop là! Ben non. Mais quelle merde! Mais quelle merde! Mais c'est pas possible! Ils y vont faire! Mais c'est pas possible! Mais attends, bah je vais mettre en surbrillance. Voilà. Et là, le truc, c'est que là, c'est la première fois seulement. C'est là, au moment où on constate que le truc remonte. Donc, faut que je pousse deux fois, quoi. Une première fois pour dire ah, ça marche pas. Je dois réussir à faire couler l'eau jusqu'au seau. Ok. Et ça, je peux faire quoi? Peut-être si je coupe. Le seau fuit. Je dois réussir à faire couler l'eau jusqu'au seau. Mais je vais couper ça. Lara, qu'est-ce que tu fais? Tu bugs, c'est pas bien. Le jeu est légèrement bugué, hein, il y a des petits bugs dans le jeu. Pour un jeu qui coûte quand même 59€, bof, hein. Enfin, 59, 49, en fonction de l'endroit où vous trouvez le jeu, hein. Je crois que j'ai vu une corde sur le pont. Bien sûr que t'as vu une corde. Tu as coupé la corde ou pas? Est-ce que tu peux la couper? Désolé. Dépêche-toi, je vais pas tenir longtemps. Parce que là, je peux couper la corde, du coup. Je dois réussir à faire couler l'eau jusqu'au seau. Mais on a déjà fait, Lara, jusqu'au seau. Il était con. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Je crois que j'ai vu une corde sur le pont. Oui, il y a une corde. Où ça? Où est-ce que tu vois une corde, là? Je crois que j'ai vu une corde sur le pont. Quel pont? Putain.
Je dois réussir à faire couler l'eau jusqu'au sol. Faire quoi ? Non, c'est pas ça. Et ici, il y a quoi ? Ah, peut-être que si je pousse ça comme ça. Et qu'ensuite je vienne tirer sur le... Parce que là j'ai que ça là. Non. Ça ne fait rien. Allez lâche Jonah, lâche. Et là, bah, ça ne fait rien. Ça ne fait absolument rien. Je dois réussir à faire couler l'eau jusqu'au sol. Oui, Lara, j'ai compris. Ah bah... Peut-être couper ici, en fait. Non, même pas. Non. Bah oui, j'aurais dû aller voir un petit peu ailleurs. Qu'est-ce que c'était? C'est un trésor, ça veut dire que c'est pas là qu'il faut aller. Bon, est-ce que je peux... Ouais, je peux escalader ça, d'accord. Bah oui, il faut explorer. Quand t'es bloqué à un endroit, bah explore, hein, Coco, qu'est-ce que je te dis? Et on revient à un endroit. Ok, d'accord. L'exploration a été vachement utile. Super! Et là, vous voyez un gars pendant 20 minutes bloqué sur la même énigme. Et je comprends que vous ne soyez pas content. Essayez de passer par là rapidement. Pour voir ce qu'on peut faire. Ah! Bah oui! C'est bon, Jonah. Tu peux lâcher. Bravo voilà. Stéphane, tout ce temps juste pour un truc simple comme ça, bravo. Là je m'applaudis en me tapant dessus là. Sérieux quoi, nouille totale, allez hop. T'es déjà passé toi, hein? Tu m'attends même pas. Ok, super galanterie, génial. Je crois qu'on va devoir passer par là. Après toi. C'est le seul chemin Lara, t'y a pas vraiment toi aussi hein. Ah, je suis désolé, l'ombre est dégueulasse. Hein. On dirait une sorte d'hôtel ou bien... Aide-moi, s'il te plaît. J'ai vu sur Start. Ouais, je vais augmenter l'ombre parce que l'ombre comme ça, c'est dégueulasse. Je trouve ça dégueulasse. L'ombre, qualité des ombres. On va mettre non normal quand même. Je pense pas que ça va bouffer plus de... Voilà, c'est un petit peu plus joli. Qu'est-ce que c'est? C'est une recette... Ça ressemble à un mélange d'herbes pour mieux se concentrer. Ça pourrait être utile si on croise d'autres jaguars. J'espère que non. La sortie est par ici. Ça lag un peu là. C'est parce que j'ai mis de l'ombre. Super. Même de loin maintenant c'est moche. Alors l'œil de l'aigle, marqué LB puis appuyé sur Y pour utiliser les plantes de perception. Perception permet de détecter les proies et les ressources naturelles dans l'environnement. C'est pas ce que j'utilise déjà avec ça? Oh mon dieu! Il y a beaucoup de couleurs d'un coup là! On se rapproche, on arrive près du village. J'ai hâte de retrouver la civilisation. C'est de la drogue en fait qu'elle prend. Elle prend de la drogue. Viens là. Oui, ça c'est quoi? Un animal mort. Bah oh, c'est les fameux. C'est pas un wapiti, c'est quoi ça? Depuis la dernière vidéo, je me suis toujours pas renseigné. Hein. Les carnets de ton père disent quelque chose sur le Pérou. Non, okay. Mais bon, la cité d'or secrète est censée se trouver au Pérou, pas Waikiti. Ah, il y a un défi. Bon bah les défis, je vais les faire hors vidéo. Hein. Je vais pas faire les défis en vidéo parce que déjà là j'ai galéré sur un truc. Maintenant je vous dis pas. Ok, reviens normal. Je vous dis pas sur les défis comme ça. Hein. Je préfère pas tenter. Ah, on sent le lag. Hein, alors que j'ai juste rajouté un peu d'ombre. À la montagne à couronne d'argent où les jumelles devisent. Vous savez quoi, j'ai vu un feu de camp là, donc je pense qu'on va peut-être éventuellement s'arrêter là. Ok. Tu crois pas? Ces deux dieux règnent sur l'au-delà Maya, Xibalba, littéralement le lieu de l'effroi.
Je vous laisse lire, mettre pause si vous voulez. Et on va continuer. Ah, il y a du sang là. C'est du sang ça. Non, c'est pas du sang. C'est une brique rouge. Bon, Si on avance bien dans la bonne direction, je sais pas, mais le système d'irrigation est plutôt un bon signe. Pas faux. Il y a eu des gens ici à un moment. On peut pas l'utiliser en fait. Donc on est obligé de passer par là. Mais c'est pas le truc facultatif là ? Ah non, c'est pas... Je croyais que c'était un tombeau facultatif ici. Donc on peut passer par là, faut passer par là. Je crois qu'on peut partir par là. Faudra deux. Jonah, viens Jonah ! Donne-moi un coup de main. Ouais. Viens pousser ! Fais ton boulot. Boulot de mettre baraqué là. 2, 1... C'est Lara qui se lève tout là. C'est pas bien. Oh putain ! La vengeance de Bagheera! Putain, mais avec des crocs comme ça dans le dos, ça a dû la déchiqueter le dos! Là! Échappe le pistolet! Bam! Dans la gueule! Et ça, ça t'a pas tué! Et mon arc? J'ai pas. Si! Je me disais bien! Et encore un combat contre Bagheera, round 2. C'est pas le moment là. Alors, où est-ce qu'il est? Bam! Dans le cul! Ah, dans la tête! Alors, t'as eu peur, hein, t'as eu peur. Oh, des flèches. Et le singe. Ouh! Ouh! Oh, voilà. Oula, oula. Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Je vais l'entendre arriver. Il est là-bas! Bam! Bam! Ah! Oh merde! Oh le con! Wow! Hey. Sérieux? Et le gros matou, il veut jouer, hein? Ah merde! Et voilà dans la tête! Waha! Waha! Ah! Si là, je t'ai pas eu! Ah, je t'ai pas eu! Sérieux, je t'ai pas tué! Bon, il me manque... Je peux pas me soigner, là. Faut que je trouve un truc pour me soigner. Hé, les singes, vous pouvez m'aider ? Ah, c'est des plantes de perception, ça. Wow ! Sérieux ? Putain, il m'a même voir ! Mais son attaque de loin est vachement... A vachement de portée ! Bah voilà ! Crève ! Crève! Sérieux! J'ai galéré pour tuer un jaguar, quoi. Tu sais, j'ai dit ça genre, c'est facile de tuer un jaguar. J'ai galéré pour tuer un jaguar. Bon, les amis, c'est ainsi qu'on va se quitter. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bonne journée, bonne soirée. Ciao!